Salut tout le monde, c'est Foudrage. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Empyrion. Alors, donc la dernière fois, si je me rappelle bien, on avait essayé de faire d'aller sur dans l'espace, mais on a remarqué que j'ai très froid, donc c'est impossible de sortir du vaisseau. Donc c'est pas la peine d'y aller pour l'instant. Par contre, ce qu'on va faire pour cet épisode-là, c'est explorer un maximum de choses. Alors, moi, ce qui me tenterait bien, ce serait d'essayer, j'ai bien dit d'essayer, d'attaquer une forteresse, voilà. Ça serait bien d'attaquer une forteresse pour voir si déjà on arrive et savoir si il y a des ressources qui pourraient m'aider pour la survie dans l'espace. Voilà. Ensuite, il me faudra deux, trois petites choses. Donc déjà la première chose, c'est de choisir la base. Et non, c'est élément peut-être. Alors, il me faut un casier d'armurerie. On n'en a pas mis encore, faudrait en mettre faut en mettre un. Côté munitions, faudrait voir pour en refaire un petit peu. Tac, alors. Donc là, j'ai plus de place ici. On va peut-être le mettre ici. Ah, d'accord, je peux pas le mettre ici. Ah, attendez. Voilà, tac. Voilà. Et boost, ça je pense que c'est pour mettre tout ce qui est armure. Armure, je parle bien sûr des composants de bouclier et tout ça. Hein. Alors, donc déjà, je vais en prendre un. Multi-boost. Alors, c'est quoi? Dégradation, facteur de puissance, vitesse. Ok. Ça, c'est le boost de protection. Ça, c'est pour la course. Ouais, on va prendre plus de la course parce que je pense que faudra vraiment courir si jamais ça chauffe de trop. Alors, comment ça marche? J'ai juste à mettre dedans, c'est ça? Facteur d'endurance. Ouais, ça a l'air de marcher. On verra bien si on voit quelque chose de différent. Vu que je vais faire donc, on va tester pour donc attaquer une forteresse. Il me faudra forcément de quoi me soigner. Plasma alien. Aïe, ZR1. Ouais, c'est ça, mais ok. Là, je peux pas pour l'instant. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour me soigner, moi? Antidote, truc de soin. Alien T6. Ouais, Alien T6, je pense pas que je l'ai. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se débrouiller sans alors. C'est pas très grave. Bon, ça j'ai fait. Ça va être les munitions. Pour mon chasseur. Parce que. Je crois. Que j'en ai plus. Voilà. Le problème c'est que je sais plus. Quelle munition. J'utilise. Élément. Je pense que c'est ça, non? Statistiques, mitrailleuse, non, ok, ça va être élément, il faudra que je cherche, voilà, tac, alors, qu'est-ce que j'utilise comme munition? Munition du 15 mm, ok, faut pas hésiter à en faire beaucoup, là, pour les 15 mm, mince, jetpack, donc je vais t'en faire un paquet, 15 mm, munitions 15 mm. Pastille. Ah. Ok. Le problème c'est que j'ai fait tout en. Ah bah mince alors. J'ai tout fait en carburant. Et j'ai pas gardé de pastille. D'accord. Embêtant.
Il faudra que j'en cherche donc. Alors, vite fait, on va voir où se trouve. Là, j'en ai. 100%, 100%. Ça, c'est mon truc, ouais. C'est bizarre que mes minerais sont à 100% là, non? Eh ouais, tous mes minerais sont retournés à 100% de minerais. C'est bizarre. C'est pas grave. On va prendre le chasseur. On va récupérer donc un peu de carburant. Bon, ça ira vite avec la nouvelle foreuse. D'ailleurs, la nouvelle foreuse, j'ai des missions, super. On l'allume, on change de vue. Alors. Ah bah maintenant je démarre plus. Pourquoi? Ah bah oui, bah j'ai plus rien qui démarre. Comment ça se fait? Éclairage, on allume. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux plus tourner avec la souris. Ouais, je peux plus tourner avec ma souris. Ok, bah je vais faire une petite coupure et voir qu'est-ce qui s'est passé parce que moi je sais qu'il y a eu des mises à jour sur Empyrion et je sais que quand il y a des mises à jour, ils te dérèglent tout et c'est le bordel après. Donc petite coupure et puis je vois pourquoi je peux plus tourner le vaisseau. Donc à tout de suite. Alors, re tout le monde. Je sais pas du tout mais c'est un problème de vaisseau. Moi, mon transporteur marche correctement. Et par contre, mon chasseur, lui, ne se déplace pas du tout. Voilà, je tourne, je fais, je me penche et tout ça. Il veut rien savoir. Je sais pas pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu. Bon, enfin, on va essayer de modifier 2-3 petites choses. Donc, déjà, on change de vue. Je vais couper les lampes parce que ça fait un petit peu mal aux yeux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Voilà, je coupe tout le jus. Je vais essayer d'enlever en fait les gyroscopes et de les réinstaller. C'est peut-être les gyroscopes qui merdent. Donc on va voir. Voilà, on va réparer si jamais j'ai endommagé quelque chose. Voilà. Et je vais les remettre. C'est vraiment bizarre que ça me le fait. Alors on va voir. Bon, ils ont pas la même couleur, hein, c'est pas grave. Voilà. En espérant que ça a réglé mon problème, parce que ça serait con que par la suite je peux plus utiliser le vaisseau à cause de ça. Ah, j'ai peur. Ah oui, c'est vrai. J'ai trouvé en fait la touche qui me permet de voilà de zoomer, dézoomer. Et ben c'est déjà beaucoup plus intéressant comme ça. Voilà, donc j'ai trouvé la touche. Je l'ai fait dans les options, j'ai cherché un petit peu. Et c'est vrai que cette touche-là, pour me permettre en fait de regarder autour de moi, ne marchait pas. Voilà. Par contre, il me garde toujours la touche. Il me garde toujours la vue en face. Moi, j'aurais préféré, par exemple, avoir ma vue un petit peu en biais comme ça. Comme ça aurait été. Je trouve que ça aurait été mieux. Mais je sais pas si je peux. Quand je le remets en normal, il me met comme ça. Bon, c'est pas très grave. L'essentiel c'est que mon vaisseau soit. Que je puisse le bouger maintenant. Donc, on avait dit quoi? On a dit qu'on allait là-bas. Et ça, je pense que c'était une mise à jour du jeu qui a fait que mon vaisseau ne. Je pouvais plus l'utiliser. Parce que moi, ça me. Voilà, c'était bizarre. C'était bizarre. Alors.
on change de vue et voilà, c'est parti. Magnésium. Non, c'est pas du magnésium que je veux. Ah oui, je me suis arrêté trop tôt. Hop. Tac, alors, on recommence. Tac, tac. Hop, voilà. Primontium. Et là, on va se retrouver, je crois, dans une forêt. Faudra faire très attention parce que dans les forêts, souvent, il y a des... non, c'est pas ça que je veux faire. J'ai pas creusé ici? Si. Ouais, si, j'ai creusé. Ok. Alors, tac, on change de vue. Et c'est parti. Alors. Donc ça ira vite, hein, normalement, avec la foreuse, en 5-10 minutes, j'ai déjà pas mal de Primontium. Donc ça ira très vite. Et je veux absolument essayer donc de tester une... comment dire? Une forteresse, parce que je me dis que dans les forteresses, forcément, il doit y avoir des choses qui peuvent être intéressantes à voir, et des choses plus rares que j'aurais peut-être besoin pour aller dans l'espace. Donc c'est pour ça que je me dis, on va essayer d'attaquer une forteresse si on arrive, bien sûr. Alors, il m'en faut pas beaucoup non plus, hein. Non. J'en veux pas beaucoup. Ouf, c'est déjà trop, mais c'est pas grave. Ça mine très vite ce truc-là, c'est cool. Alors, go. Ouais, c'est bon. Alors. Voûte. Là-bas. En avant. Et vous avez vu, les ressources ont été utilisées, mais ça me marque toujours 100% de minerais restants. Ça doit être un bug de chez moi, quoi. Je comprends pas pourquoi ça se met pas à jour chez moi. Donc en gros, je sais jamais si... Tac. J'espère que j'ai assez de magnésium pour me faire... tac. Non, je veux sortir. Hop, toi aussi. On va juste te couper. Voilà, pour pas utiliser du carburant pour rien. Alors, ici, paf. Je te mets tout, je te mets là-dedans. Hop. Voilà, on va faire ça, comme ça, voilà. Et du 15 mm, on avait dit, hein. Ok. Vas-y. Ça c'était bon. On va faire un petit tour maintenant dans les arbres de technologie un peu pour voir qu'est-ce que je pourrais débloquer. Donc un générateur de gravité, ça serait intéressant quand on fera donc le gros vaisseau. Anti-intrusion, c'est pas la peine. Ah, fourneau. Alors. C'est dommage, il me dit pas ce que c'est. Mais je pense que c'est sûrement pour avoir chaud directement. Hein. Donc ça, forcément, dans un vaisseau, j'en aurais besoin. Ou dans une base, donc autant la débloquer tout de suite. Guichet automatique. Bloc de réparation, ça faudrait que je pense à le construire. Mon vaisseau mère, on n'y est pas encore. Petit vaisseau. Le petit vaisseau, ça pourrait être intéressant si j'ai un petit chauffage aussi. Un petit fourneau qui me permettrait de le mettre dans le vaisseau. Ok. Ouais, non. Le petit vaisseau, il n'y en a pas, d'accord. Dans divers. Alors, dans divers, qu'est-ce que j'ai? Donc, des caisses, des générateurs. Lumière et c'est tout. Ok. Outils. Qu'est-ce que j'ai en outils? Outils multifonction. Oui, ça je pourrais me le débloquer maintenant. Ça me permettrait avoir un autre plus amélioré. Mais bon,
Je pense que le mien me suffit pour l'instant. Ok. Et armes, on en avait débloqué, je crois, des armes, non? Des fusils à pompe et tout ça, on avait débloqué. Donc on va pouvoir voir pour les construire. On va voir tout de suite si on peut pas le construire. Alors. Fusil d'assaut T2. Je crois que c'était ça qu'il faudrait. Car moi j'ai un fusil d'assaut basique. Donc on va faire un T2. Alors. Un fusil à pompe. Voilà. Alors, fusil à pompe. Ah, on va déjà voir pour le fusil d'assaut T2. J'utilise quoi comme munition? Projectile rifle round. Ok, alors. Projectile rifle round. Ok. Je vais en faire une dizaine. Parce que je sais pas trop combien ça va m'en donner. Donc 10, ça devrait suffire. De toute façon, j'en ai déjà à la rigueur. Tu peux m'en faire 3. Fusil à pompe. Ça, je pense que c'est celui-ci. Donc, je sais pas trop combien ça m'en donne aussi. Donc, on va voir. Ça, donc, je récupère pour les stocker sur le chasseur. Ok, il m'en donne. Bon, de toute façon, j'en avais assez, mais bon. Ouais, fusil à pompe, on va utiliser un peu plus parce que il y aura pas mal d'ennemis là-bas, donc. Et vu que ça m'en donne pas beaucoup non plus. Ça. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, enfin, ce qui pourrait être gênant, c'est d'avoir bah, les armes en fait. Par exemple, le petit pistolet, j'ai plus besoin. L'arme là, je l'ai plus besoin maintenant. Tac, tac, tac. Donc, fusil d'assaut en premier, fusil à pompe ici. Ce serait de savoir qu'est-ce que j'en fais maintenant de des fusils qui me restent. Est-ce que je peux les démonter pour récupérer peut-être quelques ressources, je sais pas. Donc, je vais les stocker en attendant et à voir. Côté munitions, shotgun, ça devrait faire assez mal, donc je devrais en avoir assez. Je vais les stocker là en attendant. Le petit gun, mini round. Je crois que il utilise ces munitions-là. Bon, je vais les stocker là. De toute façon, j'ai besoin que de cela. Normalement. Tac. Ah, j'ai un viseur. Normalement. Voilà, super. Zoomer, dézoomer. Ok. Fusil à pompe. Je peux pas viser, mais je pense que ça risquera de faire mal aussi. Tac, je veux juste voir combien de balles je peux mettre dans le pistolet. Ok. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est 5 balles, ok. 5 balles avec ça, munitions plus ça sur les tourelles. Enfin, dans le chasseur, ça devrait être bon. On va prendre explosif. Parce que si on veut défoncer de la forteresse, moi je veux jouer avec les explosifs. Voilà, alors, donc on va déjà ranger un petit peu tout ça. Bien sûr, avant d'y aller, on va sauvegarder quand même. Pour être sûr que je meurs pas pour rien. Nourriture, on va aussi voir pour. De toute façon, vu qu'on va tuer des créatures et tout ça, je pense qu'on va récupérer de la nourriture. Et peut-être même des trucs d'aliens. Tac, explosif. Ok, je peux pas t'en mettre plus que ça. Bon,
c'est pas grave, on va attendre. Tac. Je vais en le mettre directement dans le vaisseau. Alors, ouais, on va te poser là-dedans, je pense que ça devrait être bon. Je vais te faire le plat aussi du vaisseau, du chasseur, comme ça, ça sera fait aussi. Tac. Ok, alors moi je suis bon. Alors, par contre, on va voir. Le soleil est là, et moi si je veux attaquer, ça sera ici. Donc là, ça sera dans la... Il fera nuit quand j'irai attaquer. Ça, je voudrais pas. Forteresse, ouais, non. Je suis obligé d'aller de ce côté, je pense, pour aller l'attaquer. Donc, on va aller à la forteresse. Donc, petite sauvegarde. Sauvegarder. Tac. Et je pense que je suis plus ou moins opérationnel. Tac. Ok, je vais mettre... Je vais quand même en prendre un petit peu sur moi. Et je pense qu'on est bon. Il y a juste un petit peu la vie que ça m'ennuie un petit peu parce que j'ai pas. Mais sinon, ça devrait être, être bon. Après, une forteresse, c'est quand même... Là, je m'attaque quand même à quelque chose de gros. Hein. Donc... comme je vous ai dit, ça va être juste un test pour voir si je m'en sors avec un petit chasseur pour voir un petit peu. Mais je m'inquiète un petit peu. Hein. Ah! C'est un drone. Ok. Non, on va pas récupérer. De toute façon, il est tombé dans l'eau. On va pas récupérer. Alors, cobalt. Ouais, je pense que je vais toujours avoir des minerais de. Ok, on va plutôt aller de ce côté. Alors, je vais essayer de me protéger un petit peu des montagnes, des choses du genre. Voilà, il est en face. Il est là-bas. Je vois pas très bien s'il y a des tourelles. Je vois pas très bien s'il y a des tourelles. On va changer de vue. Et on y va franco. Voilà, c'est parti. Hop là. C'est parti. Eh mais ils sont plus costauds ces bâtiments-là. Oh, ils sont beaucoup plus costauds que...
Ouais, j'ai pas l'impression de faire de la do du des dommages ou quoi. Ouais, j'ai pas l'impression de faire du dommage. Ouais. Perdu un petit peu. D'autres petites choses. On va se mettre ici. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu? Un peu de coque. Ça, je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Mon gyroscope, pourquoi il est apparu ici? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Pourquoi j'ai un gyroscope qui est apparu? Bon, j'ai pas pris trop cher encore, ça va, mais j'ai un gyroscope ici. Lol. Finalement, j'ai pas pris trop cher, donc on peut toujours essayer d'y retourner. Je vais passer par là. Je vais raser un peu ici. Voilà, de toute façon, il peut pas m'avoir à partir de là. Par contre, c'est les drones qui vont être embêtants. Voilà. Ok. Voilà, je crois que je suis à portée. Yes. Ça, c'est de la déco. Ok. Est-ce que c'est bon? Ah, il y a un truc, il y a quelqu'un qui m'attaque. Ah, c'est peut-être une tourelle, ça. C'est pas un truc de déco, ça? Je crois que c'était un truc de déco, moi. Non? Lol. J'ai plus de munitions. Non, ça doit être un gars. Hop. Ok. Il n'y a pas d'autres gars. Bon, si de toute façon, si jamais ça va pas, je recharge la partie. Hein. Ça, c'est pas un problème. Mais hop, le jetpack. Encore un autre drone. Ouais. Le problème des drones, c'est que... Combien de drones ici? Bizarre ce drone. Bon, au moins je suis dans la base. Ça, c'est déjà une bonne chose. Comment marchent les explosifs?
du blindage lourd. Je sais pas combien de... On met deux. Ouais, on oublie ce truc là. Alors, on va descendre alors. M'énerve, c'est le drone là-bas. Ah! Bon, ça je crois que c'était un... Je sais pas si j'arrive à avoir la tourelle comme ça, mais... Ah, mais il y a une vitre. Ok. Ouh. ouais. Je réfléchis, mais je crois que c'est pas la peine. Ce que je vais faire, c'est que je vais recharger la partie avant l'attaque du... de la forteresse. Et on va se faire un autre... on va se faire la mine par exemple. Au lieu de faire ce qu'on a. Donc à tout de suite. Voilà re. Je pense que pour les forteresses, on va attendre un petit peu. Que je puisse avoir un petit peu de matos pour me faire des potions, des conneries du genre. Pour me permettre d'avoir de la vie. Parce que c'est faisable. Hein. La forteresse a l'air d'être assez faisable à faire. C'est juste que j'ai un peu merdé au début. Car je me suis pas assez approché. Voilà. Et pour les drones, en fait, je pense que je vais m'installer une petite tourelle automatique ici. Ou sur les deux côtés ici. Comme ça, si jamais j'ai un drone qui vient, qui s'approche trop près, et ben au moins, mon chasseur va pouvoir attaquer. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc trouver où se trouve... la mine abandonnée, c'est de l'autre côté. D'accord. Tac. Hop. Ouais, je pense que je peux passer de ce côté pour aller directement. Parce que... Elle est juste là. Ouais, non, peut-être que je gagnerai plus de temps en passant de l'autre côté. Alors, on va déjà passer par là. Mais la forteresse peut être faisable si j'ai énormément de choses pour me soigner. Je pense qu'à ce moment-là, ça sera faisable. Et pour ça, il faut que j'attaque des créatures, des conneries du genre. Pour avoir du matos pour me faire des potions. Enfin des medikits. Village. Ouais, c'est plus ou moins dans cette direction là. Voire même un petit peu plus de ce côté. Voilà, et par contre les munitions partent très vite. Mais je crois que... En fait, quand j'ai attaqué de loin, je pense que je n'étais pas à la portée. À la portée de la forteresse, c'est pour ça que je faisais pas de dommages, je pense. C'est comme ça. Voilà. Bon, alors c'est vrai que je peux faire un point pour un point que je puisse voir sur la map. Pour le trajet directement. Au lieu d'ouvrir toujours la map.
Ah oui, le petit village, c'était ici. Voilà. Bon, normalement là-bas, il n'y a pas de... je sais qu'il y a quelques tourelles peut-être à l'intérieur, mais c'est tout. Voilà, alors. Il doit avoir une tourelle là-dedans. J'entends crier, j'aime pas trop ça. Ah, c'est bon. Ils sont plus à l'intérieur en fait les... Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas grave. On va plus essayer de fouiller ici. Ça fout les ch'tis, hein, quand même. Donc on récupère tout ça. Des minerais que j'ai pas encore et tout ça me permettra d'avoir d'autres choses que je peux construire par la suite. Pas de tourelle. Pas de tourelle. Tourelle. Ok, pas cool cette tourelle là quand même. Ouais, elle me vise encore. Ok. Problème, c'est de savoir si il y en a d'autres dans les murs. Ok. Ouais, comme je le pensais, il y en a une ici. Ok, par contre, elle est vraiment bien. On va faire un trou ici que je puisse avoir la tourelle facilement. Voilà, je pense que la tourelle a peut-être explosé aussi. J'ai entendu une deuxième explosion, alors peut-être que la tourelle a explosé aussi. Ouais. Ok. Plus d'autres. Non, ok. Tac. Alors, c'est quoi ça? Pas de tourelle. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ça que je cherche, hein. J'aimerais bien avoir des trucs un petit peu plus intéressants.
Ah. C'est pas trop ça, mais on récupère quand même. Je vais déjà ranger ce que j'ai récupéré ici. Les drones ne viennent pas nous embêter, ça va. Et en fait, la base ici, elle est très bien. Donc, finalement, je pense qu'on va ramener toutes nos ressources ici. à voir, à voir. À voir, moi j'aime bien le coin ici en fait. J'entends quelqu'un crier, ça doit être une créature qui se trouve juste en bas ici. Donc faut faire très attention. Ou alors elle est peut-être dehors, c'est peut-être une créature dehors qui me fait peur. Alors, on va y aller doucement hein, parce que... Est-ce que je vous propose c'est qu'on arrête ici notre épisode et je vous reprendrai donc pour le prochain épisode. Donc moi j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, à aimer cet épisode. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, à plus.